Alors, la segmentation stratégique, justement, il s'agit donc de diviser le métier en activités indépendantes. Indépendantes, puisque chaque activité fait, c'est pour ça qu'on s'amuse à faire ça, fait l'objet d'une stratégie particulière. Donc, il va falloir identifier ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégique, les fameux DAS. Hein, on parle aussi, vous pouvez rencontrer aussi, dans certains cas, les business units, hein, qui sont l'équivalent des domaines d'activité stratégique. Alors, le domaine d'activité stratégique est le niveau d'application de la business stratégie. Vous vous rappelez? Corporate, business. À chaque domaine d'activité stratégique va donc s'appliquer ce que l'on appelle une stratégie générique. Et on va voir, ce n'est pas compliqué, il y a trois stratégies génériques. Domination globale par les coûts, spécialisation, différenciation. Il ne peut pas y en avoir une quatrième. Enfin si, on peut se retirer. La quatrième possibilité. Hein? Et donc, à chaque domaine d'activité stratégique, on va se demander qu'est-ce que j'applique? Domination globale par les coûts, différenciation ou spécialisation? Alors, pourquoi segmenter le marché? D'abord, segmenter, c'est diviser, je vous rappelle, le marché en groupes de clients homogènes. C'est la première chose. Ensuite, la segmentation, eh bien, elle est indispensable dans les deux cas de stratégie de marché qu'on a mentionné, à savoir la stratégie différenciée et la stratégie de focalisation. Il est clair qu'on ne segmente pas dans une stratégie indifférenciée. Autre règle importante, la segmentation du marché. Alors, on parle aujourd'hui d'ailleurs d'hypersegmentation, hein, ce qui veut dire qu'on essaye de, si on pouvait personnaliser l'offre pour chaque consommateur, on le ferait. Donc, l'hypersegmentation est de plus en plus pratiquée par les entreprises. Il est clair que la vente par Internet est un moyen au service d'une hypersegmentation. Segmenter, c'est quelque part se mettre partiellement à l'abri de la concurrence directe, hein, puisqu'on va on va se fabriquer une niche de marché. Hein. D'ailleurs, on parle souvent de stratégie de niche, hein, pour bien montrer, voilà, on s'est fait un petit abri dans le marché où on va être relativement épargné par des concurrents généralistes. Hein, donc c'est aussi diminuer l'intensité concurrentielle.